Earth. Fire. Air. Water. Only the Avatar can master all four elements and bring balance to the world. Of searching, I discovered a technique that will make me whole again. A way to extract your chi from what the mystics call your banqian. Sorry, but I'm using my chi right now. Maybe you can just wait here a few thousand years more. Oh, I think not. My whole reason for living was so that I could exact my vengeance on you. And now that you are here, I can achieve both of my goals at once. Attack! Bien. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Avatar, la légende de Korra. Du coup, donc le chapitre final, la fin. Très mal parce que to destroy you. Over. But Korra, you haven't had a chance to meet my brother yet. The one you wounded all those years ago. Whoa. Now you will truly face the chaos. Oui, enfin, t'es sympa, mais t'approches pas de moi non plus. Tant que je fasse mon bordel. Effectif, une qui pèse. Let's go and get him. Hop, déjà, ça c'est fait. Let's go and get him. Waited a thousand. I'm home. I have to equip items before I can use them. Hop. Here's to face you again. Prepare for the last battle of your life. Your imbalance threatens the world. Now I will set it right. J'ai le rythme, j'ai le rythme, j'ai perdu. Je me suis pas fait avoir. Mais essentiellement, c'est que ça. I
Ah, faut garder le rythme un peu long du truc. Regardez le rythme. Par exemple, un récopix. Regardez le rythme. J'avais un truc, ça serait bien. Putain.
Let's go and get him. D'armure parce que j'avoue je peux résister un peu. D'avatar. Thank you.
Mais oh. Moi je me défends. Tiens. I'm home. I have to equip items before I can use them. Let's go and get them. On a fait gagner un petit peu d'avance. C'est fini. J'ai pété la gueule définitivement. World into chaos.
Et ouais, les gens, c'est comme ça qu'on termine un jeu en mode extrême. Po-po-po! Ah, fier de moi. You did it, Cora! I thought opening the portal in my lifetime would be an issue. But turns out I also have to answer for things I did 100 lifetimes ago. Well, at least after that, facing Tano and the Wolfbeth should be no problem. Ah, j'adore, mais c'est pas fini. Welcome to Pro Vending Night in Republic City. And tonight we have the rematch that every Pro Vending fan has been dying to see. The former league winner Wolfbats take on the team that many observers, yours truly included, say got cheated out of a championship, the Fire Ferrets. Une furie de feu contre les loups, les chauves-souris, j'arrivais pas à dire. J'ai réussi. Bon, j'avoue, la fin, j'ai un petit peu moins chié que le début. Bon, le début, ça va pas trop avec le montage, mais j'en ai beaucoup chié. Voilà. Du platine. Je l'ai. Du coup. Et voilà. C'est ça que se termine le jeu. Bon, ils vont vraiment mettre les stats à la fin. Du coup, mais c'était génial. J'adorais ce jeu. Il est bien. C'est comme le dernier Maître de l'air. C'est plus intéressant de nous faire vivre une histoire originale qui reprend certains événements de la série avec certains personnages du coup. Bon, après, je trouvais ça dommage que le jeu soit pas plus long. Du coup. Que les autres personnages de la série sont pas plus présents. Du coup, donc voilà, je pense qu'il y avait plein d'autres choses à faire qui étaient possibles. Mais bon, en tout cas, je trouve que rien que seul avec Cora, c'est déjà pas mal. Honnêtement, et on fait déjà pas mal de choses. Donc voilà. Platinum Games. Qu'est-ce que j'adore ces studios, ces développeurs. Donc voilà, je suis vachement content d'avoir réussi à terminer le jeu en extrême. Donc comme j'ai dit, du coup j'ai moins galéré à la fin qu'au début. Parce que à la fin, à partir du moment où j'ai mes 4 maîtrises, du coup, et que à son niveau maximum, là c'est sûr c'est plus simple. Du coup après, bon évidemment je suis mort quelques fois, mais c'est
c'est pas énorme non plus, donc je suis plutôt content. Et fier de ce que j'ai réussi à faire donc, sur ce jeu. Thanks for playing. Hey guys, seriously, thanks for playing. I know it was just one person, but I really like you and all of you. Donc voilà. Donc tous les personnages de la série, enfin principaux en tout cas, nous remercient d'avoir joué. Donc ma note finale c'est argent. C'est en même temps, j'ai fait ça en extrême, mais c'est déjà pas mal. Hein, parce que généralement, je pense, dans ma tête, je me dis, j'aurais mis. C'est vraiment où j'ai voulu pas mal, parce qu'au final, normalement, je devrais avoir du bronze, un peu plus. Je devrais avoir du bronze, même beaucoup de bronze, mais au final, non, j'ai de l'or. J'ai réussi à faire quelques platines en cours de jeu, donc ça va. Donc je me suis pas mal débrouillé, honnêtement. Donc, voilà. Puis, nouveau trophée, ça j'adore. Du coup. Voilà, et puis normalement j'ai débloqué un nouveau costume. On va voir. Parce que j'en avais déjà un, du coup. Winter Jacket. Ok. On va voir ça. Du coup. Oui, je sais. Je peux changer niveau de difficulté. Avec les touches L1 et A1. Donc voilà, le mode extrême terminé. Du coup, je suis content. Donc voilà, donc on va aller voir du coup. Donc ça, c'est la tenue de base. Celle-là, celle que j'avais débloquée la première fois que j'ai fini le jeu. Du coup, donc voilà, et maintenant le mode extrême. Voilà, donc Katara en tenue de Pôle Sud, du coup. Donc au début de la première saison, elle porte cette tenue là. Donc voilà. Hein, c'est pas mal. Hein. Bon, il manque de tenue, je sais pas, je crois que ça doit être la tenue. Enfin, j'essaie de percevoir un petit détail. Mais je vois pas trop. Ça c'est sa tenue quand elle a les cheveux détachés. En général, je crois que c'est normalement c'est ça. Du coup, mais ça, je pense que ça doit être la tenue. Ah, je sais pas. Donc, apparemment, c'est. Unlock this, you have the enter the secret code on this screen. Donc, il y a un code secret. Du coup, donc, il y a deux codes secrets même que je ne connais pas. Donc, je vais peut-être essayer de les chercher. Puis, bah, je vous les mettrai dans les commentaires de la vidéo. Du coup, pour que vous puissiez aussi les utiliser. Du coup, autant rendre les choses les plus accessibles possible. Voilà. Du coup, je suis content. Du coup. Donc, la boutique. J'ai quasiment tout acheté. Mais bon, le principal, le plus important à avoir déjà, juste après avoir débloqué la boutique, déjà que vous puissiez vous permettre d'acheter les trucs pour vous soigner. Du coup, surtout quand vous êtes en mode normal et extrême. Là c'est badass, on va en chier. Quand vous pouvez débloquer, vous avez par la suite débloqué ça, du coup c'est très utile, vous avez moins de vous embêter moins à charger vos coups, donc voilà, et c'est très pratique. Hero, ça c'est bon, une fois sur deux vous tombez sur un truc génial qui peut vachement vous aider, comme avoir la jauge de santé multipliée par je ne sais combien, du coup, enfin bref, des trucs vachement utiles, donc voilà. Donc maintenant je peux utiliser le mode avatar quand je veux, donc ça c'est cool, en différents modes, ça c'est sympa. Ça j'avoue ça m'a vachement été utile, donc la charge donc l'armure du coup, donc ce qui fait que je prends moins de dégâts. Bon ça c'est débloqué avec un code secret aussi, il faudrait que je vous le mette, Shadow Fist. Déjà, ça m'est arrivé quelquefois d'une grâce au Tediro d'être tombé là-dessus. Donc ça apparemment, je sais pas, donc full charge. D'accord, donc ça, le chi chargé à fond. Du coup, donc recommandé pour le mode extrême. Du coup, donc ça j'ai pas acheté parce que très souvent ça me fout dans la merde. Celui-là il est cool parce qu'il me donne une santé de vie incroyable. Du coup, donc voilà. Puis toutes les techniques.
Je pense que je vous ferai une vidéo où je vous montrerai concrètement toutes les techniques dans le moindre détail, les combos, tout ça, donc voilà. Du coup, pour que vous puissiez concrètement voir comme j'ai fait pour le dernier maître de l'air. C'est sympathique en même temps de voir ce genre de choses. Donc voilà. Donc voilà, vous savez à peu près ce qu'il vous faut pour terminer le mode extrême, pour vous aider concrètement. Donc premièrement, essayez d'avoir de vous acheter ça, du coup. Ça vous sauve pas mal la vie, hein. Ça m'est déjà arrivé, vous aurez pu le voir. Ça aussi, quand vous les aurez, ça peut être très utile. Et puis n'hésitez pas à recommencer plusieurs fois, et n'hésitez pas à côté, quand vous faites le mode extrême, de faire à côté les autres deux modes de difficulté pour cumuler les points spirituels, comme le mode facile et le mode normal pour cumuler les points. Du coup, pour pouvoir acheter d'autres trucs, les nouvelles techniques, genre à vous acheter... Le truc pour l'armure et vous l'intégrer, ça c'est vachement utile aussi pour régénérer votre santé. Ce genre de choses, c'est vachement utile. Non, mais vraiment, je vous le conseille. Du coup, donc, de bien cumuler les points pour vous acheter. Donc, faites les deux modes normal et médium. Facile et normal, du coup, je vous le conseille. Enfin, moi je l'ai pas fait, hein, du coup. Enfin, j'ai commencé à faire le facile, du coup. Donc voilà, mais c'est pour ça qu'à la fin j'ai pu me payer ça. Bon, ça je l'ai pas fait, du coup, mais. Enfin bref. Bon, allez, je me rajoute ça. Hop. Du coup. Donc voilà, du coup, donc moi je vais vous laisser ici en espérant que ça vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me demander si vous voulez que je fasse les matchs de Pro Bending. Éventuellement. Enfin, j'ai déjà fini une fois les trois modes de difficulté. Bon, le dernier, j'ai galéré, mais à mort. Je voudrais vous le dire. Mais si vous voulez que je vous le fasse, n'hésitez pas à me le dire. Ça me gêne pas du tout. Ça me permet de profiter, mais je préfère que ça. Vous le faire parce que vous voulez, parce que moi, personnellement, je m'en fiche de pas le faire. Hein. Ça apporte pas plus, mais voilà, ça vous permet de voir concrètement le combat. Du coup, moi je vais vous laisser ici en espérant que ça vous aura plu. Du coup, pour moi en tout cas, ça a été génial. J'ai adoré faire ce jeu, j'ai pas mal galéré, j'ai eu quelques sensations fortes. Du coup, néanmoins, ça prouve que je suis pas totalement nul. Du coup, je suis capable de faire des jeux en difficulté élevée, plus élevée qu'en mode normal. Du coup, donc voilà, c'est déjà ça. Bon, après, je suis pas non plus. Génialissime, mais déjà quand tu finis un jeu en mode difficile, c'est sympa. Après, par la suite, t'essayes de d'élever un peu les scores. Du coup, mais voilà. Bref, du coup, donc j'espère que ça vous aura plu. Et sincèrement, du coup, donc, j'ai adoré la légende de Korra, donc la série d'animé, j'adore. Honnêtement, les sujets que ça traite. Tout ça, donc voilà, les aventures de Korra, l'évolution personnelle en tout cas. Donc, voilà, et puis en même temps, j'espère que vous apprécierez le travail du sous-titrage, parce que ça me prend un peu de temps, et je prends quand même pas mal d'avance sur les vidéos. Donc, du coup, en l'occurrence, au moment où j'enregistre ça, j'ai juste envoyé le chapitre 2. Donc voilà, du coup, donc, je commence le sous-titrage du chapitre 3. Donc voilà. Du coup, donc j'espère sincèrement que ça vous aura plu, que le jeu vous pas, enfin du coup vous l'avoir rendu plus accessible pour vous. Du coup, c'était surtout le but de faire ce jeu-là, en tout cas. Donc voilà. Bref, je vais me taire parce que voilà, mais du coup, je vous dis tout simplement la prochaine pour d'autres jeux à venir, tout ça. Du coup, donc voilà, et puis bah je vous souhaite une agréable bonne journée. Du coup, et puis on se retrouve plus tard, je sais pas quand, pour de futurs jeux. Donc voilà, allez, salut.